Bon matin tout le monde! J'espère que ça va bien! Donc, il est présentement 8h46 et là, veuillez ignorer mon gros bouton dans le front. Donc, il est 8h46 et là, la raison pourquoi je suis levée tôt, c'est que j'ai plein d'affaires à faire aujourd'hui. Fait que je me suis dit que j'allais vlogger. Mais plein d'affaires. Je veux dire. Je veux vlogger, puis j'ai deux vidéos que je veux filmer parce que j'ai genre, je suis full motivée. Fait que je me suis dit que j'allais me lever tôt, puis en plus, j'ai une bonne raison de me lever tôt. Fallait que j'aille porter mon frère à l'école. Fait que, comme ces temps-ci, ben ça fait genre 3 fois que je vais l'amener à l'école le matin parce qu'il commence à 8h30. Fait que comme ça me donne une raison de me lever. Sinon, je sais que je vais juste me lever comme à 11h, puis comme. Vu que j'ai pas d'obligation de me lever. Là. Fait que, à cause de ça, ben, je suis plus motivée. Fait que là, il est 8h45, puis je vais aller au gym aujourd'hui. Donc, j'ai commencé, ça fait une semaine. Mettons que la semaine passée, j'étais allée 3 fois. Je voulais y aller une 4e fois, mais j'ai comme pas pu avec mon horaire. Fait que j'étais allée 3 fois. Là, cette semaine, je suis pas encore été. Je suis pas encore allée. Fait que je vais y aller aujourd'hui, puis je vais vous amener avec moi. Je me suis dit que le matin, tôt comme ça, le monde travaille. Fait qu'il va pas avoir vraiment du monde au gym. Fait que si je filme, comme, j'aurai pas la conne. Parce que j'y vais toute seule. D'habitude, je vais avec ma soeur au gym. Mais là, cette semaine, ça donne vraiment mal parce que nos horaires, on peut pas vraiment y aller en même temps. Fait que, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je viens avec moi, je suis vraiment motivée. Je suis trop contente. Fait que, c'est ça. Je vais aller me faire un petit smoothie. Donc, je vais vous montrer ça. C'est la première fois que je me faisais non ouais un smoothie de même. C'est Lisa qui m'a dit la recette, ben qu'elle faisait ça dans le fond. Les fruits congelés, moi c'était des baies mélangées avec un peu de gruau, puis du lait d'amande. C'est tellement bon là. Oh, j'ai rajouté un peu d'eau parce que c'était pas assez liquide comme. Puis je me fais genre tellement jamais des smoothies dans la ville, mais comme c'est tellement bon celui-là, honnêtement. Là. Mais vraiment, le goût du gruau, là, il change tout. Elle met aussi des fois un peu de yogourt, mais j'en avais pas comme du nature. C'était comme aux fruits, fait que ça me tentait pas. Fait que je vais boire mon petit smoothie, puis après je vais m'habiller, puis après je vais aller au gym. Donc, il est rendu 10h, et là, je me suis habillée pour aller au gym. Et je suis prête à affronter le gym. Très important, je vais aller remplir ma bouteille d'eau parce que depuis environ une semaine, j'essaie de boire 3 litres d'eau par jour. Puis honnêtement, j'ai très bien réussi. Il y a peut-être genre une journée la semaine passée que j'ai comme bu peut-être 1,5 litres au lieu de 3 litres. Mais pour vrai, je remplis 4 fois cette bouteille-là, puis c'est 3 litres. Puis pour vrai, ça va super bien. Puis je vous jure que j'ai déjà remarqué des changement de boire beaucoup d'eau parce que comme j'ai jamais soif, on dirait comme si j'ai pas d'eau avec moi, je pense jamais à boire de l'eau comme. Mais si j'ai ma bouteille, je la traîne partout avec moi tout le temps. Fait que si je l'ai, c'est un réflexe comme c'est un automatisme, là, je vais juste boire de l'eau. Fait que ça se boit super bien. Puis comme honnêtement, je bois moins de café à cause de ça. Puis c'est vrai parce que je bois tellement d'eau
que je pense même pas à boire un café, premièrement. Puis deuxièmement, comme quand t'es bien hydraté, genre t'es pas fatigué, fait que j'ai pas besoin, genre, d'avoir un café. Fait que pour vrai, là, en tout cas, c'est un petit défi personnel que je me fais avec Lisa, là, parce que c'est comme elle qui m'a comme embarqué là-dedans, parce que elle a commencé depuis le comme 1er janvier. Puis honnêtement, genre, ça va super bien à date. Je remplis ma bouteille d'eau, puis j'ai tellement la peau déshydratée dans la vie, la peau sèche, là. Puis comme ma peau, là, ça fait une semaine, là, puis il y a déjà une différence de comme... Elle est vraiment moins sèche que d'habitude. Puis d'habitude, là, tout mon nez ici, c'est sec, 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 puis il n'y a aucune crème qui marche quasiment, là, genre... Fait qu'honnêtement, la solution, c'est boire de l'eau. Donc, je suis prête pour le gym! Puis là, en ce moment, il fait tellement froid, là. Vous avez même pas été comme... Il fait full soleil, vraiment beau, mais on gèle, comme littéralement. Donc, je sais pas si je vais genre filmer au gym, je sais pas si je suis game, parce qu'on s'entend que je suis genre vraiment pas une professionnelle, fait que genre, je sais pas si genre je suis game, mais comme à cette heure-là, il doit pas avoir grand monde parce que le monde travaille. Peut-être que genre je vais choquer parce que je vais être trop gênée, mais en tout cas, on verra. Allô? Donc, je viens de terminer le gym et obviously, j'ai pas filmé au gym parce qu'il y avait tellement de monde. Vous comprenez même pas. Moi, j'étais comme, oh, il va y avoir personne. Tout le monde travaille ici à 10h du matin. Mais non, le parking il était plein quand j'étais arrivée. Je suis oh. Puis il y avait tellement de monde, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, je me croyais genre 5h du soir, là. Quand c'est le rush du monde, je comprenais pas. Donc là, c'est pas, j'ai pas pu filmer. Parce qu'en plus, au fond, je suis venue comme à 11h avec ma soeur, puis il y avait personne, c'était full calme, full tranquille. Il y avait genre vraiment personne. Puis là, il y avait plein de monde. Fait que je sais pas si le monde est en congé un mardi, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais aller chez moi, puis j'ai vraiment faim. Fait que je vais me faire à dîner. Je sais pas pantoute ce que je vais manger. Ok, bye! Donc, je suis de retour chez moi et j'ai acheté du thon. Mm-hmm. Puis là, il me reste un restant de riz d'hier que j'ai fait. Donc, je vais mélanger ça avec le thon. Et je vais mettre un avocat aussi dedans, coupé en morceaux. Ça va être tellement bon. C'est genre mon repas comme fétiche, si on veut. Comme quand je veux bien manger. Ben, je sais que du riz, c'est pas tant full bon pour la santé, là, mais comme c'est mieux que des pâtes, je pense. Bref. Quand que genre je veux bien manger, puis que ça boit, ben je mais fait tout en ça, genre riz, thon, avocat, c'est tellement bon. Fait que je vais préparer ça, puis je vais avoir mon petit V8 aussi. Puis, je suis rendue à ma deuxième bouteille d'eau. Mais dans le fond, j'en ai bu une au complet au gym. C'est 700 ml, ma bouteille. Donc, c'est ça. Je viens de remplir pour la deuxième fois ma bouteille d'eau. Fait que, il est juste 11h30. Puis, j'ai ma journée devant moi. J'étais allée au gym. Oh, je suis tellement contente. Je me sens tellement bien, honnêtement, là. Excusez ma tronche de merde, je fais tellement dur. Mais après ça, je vais aller dans la douche parce que j'ai juste trop faim. Fait que je vais manger. Miam, miam, miam. Tellement bon. Oh, j'ai hâte de manger. Ok, bon appétit. Je sors de la douche et là, mes cheveux, it's a mess. Puis là, je me suis rendu compte, ok, parce que je cherchais un livre pour ma soeur, un livre de cégep, là. Parce que je me suis dit peut-être que je l'avais parce que, tu sais, je suis plus vieille qu'elle. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai tellement de livres. Genre de livres scolaires, là, mettons, genre comme... J'ai tellement changé souvent de branche que comme... Regardez tout ça, là. J'ai genre des livres de philo. Ça, c'est genre marketing. Ça, c'est maths. Ça, c'est genre des romans qu'il fallait lire en français. Après ça, j'ai genre initiation au droit des affaires. J'ai genre... Oh my god, là-dedans... Un livre d'éduc. Ça, c'est un livre en mode. Quand j'étudie en mode. Ça, c'est un livre quand j'étudie en... J'ai fait mon certificat en petite enfance. Ça, c'est un autre roman. Ça, c'est quand j'étudie en marketing, comptabilité 1. J'ai un autre livre de marketing. J'ai... Pour réussir, ça, je sais pas trop c'est quoi. Après ça, j'ai un livre de philo. Un livre de français. Un autre livre de français, ça, c'est de ma session passée. Un livre de... Voyons. De enseignement. Souci. Ça, c'est un mot de livre qui m'a coûté cher, qu'on a même pas ouvert une fois dans la session. Ça me fait tellement chier. Le développement global de l'enfant, il m'a coûté 50$ et j'allais pouvoir une fois. Un livre de marketing, un livre encore de la démarche entrepreneuriale et un autre livre de marketing et un autre livre de gestion et de marchandisage. Pour vrai, genre, ah oh oui, puis ça,
ça t'intéresse par exemple, c'est les enfants avec des troubles multiples, c'est comme tous les troubles, je trouve ça vraiment intéressant. C'est tous les troubles d'apprentissage, genre TDAH, voyons, autisme, troubles d'apprentissage. Honnêtement, j'ai juste trop de livres, puis comme je sais pas quoi faire avec, parce que... Crème, c'est fini, là, genre. Fait que s'il y en a qui sont au cégep, parce que c'est pas mal, tout ça c'est des livres de cégep, là. S'il y en a qui sont au cégep, puis que vous avez besoin de manuels scolaires, comme, dites-moi les, là, je peux... J'aimerais ça les vendre, là, parce que tant qu'à ce qu'ils soient dans mon garde-robe à pas les utiliser, je me dis, crème, quelqu'un d'autre pourrait bien les utiliser. Fait que, c'est ça. Tout ça, pour que, finalement, j'ai pas le livre que ma soeur a besoin. Commande de chou! Donc, c'est ça. Il est rendu 3h déjà. Ça passe tellement vite, même si je me lève vraiment tôt, là. Je trouve que mes journées passent trop vite. Puis là, ben, j'ai encore les cheveux mouillés. Et là, je dois aller chercher mon frère à l'école. Donc, je vais aller le chercher. Je vais aller livrer ça en même temps. Je vais aller me chercher un café. Puis, je vais, en revenant, filmer ma vidéo de ma routine de maquillage. Yo! Ça va? Ça? Je fais un vlog aujourd'hui. D'accord. Je suis venue te chercher. Ah, ouais. Puis là, il n'y a pas de parking ici? Non. C'est de la merde, il y a du monde partout, ok? Tout le monde m'a bloqué, je peux même pas passer. Il y a plein de chars. Moi, je. Mais check ça, ok? Mais genre. Par là, ça passe, tu sais? Ouais, tu peux me sortir dans le bon. Tiens, ça. Ça fait. Ah, le monde se demande tellement c'est quoi. Salut. Allô, vlog. Là, tu filmes dans le film? Ben, je te filme, toi. Toi, filme-toi. Comme moi. Non. Ça se donne? Non. On me voit, là. Je pense qu'on voit. C'est quoi cette caméra-là? C'est une nouvelle caméra? Non. C'est Ouais, Sainte-Thérèse. Ouais, Sainte-Thérèse. Voici la chauffeuse désignée. Le cégep là-bas. Le cégep que j'étais allée en 2010. Ah, fais un petit bout. Ça fait longtemps. C'est quoi ça? Des micro-choux. Ouais. On va les porter là, là. Ouais. À côté de la crèmerie. On va-tu au gym dans l'eau? J'étais allée un matin. Ah. J'étais motivée. Hein? J'étais motivée, j'étais allée à près de l'autre gym. Encore du McDo? Un café. Pas bon pour les bourrelets. Pas bon pour les bourrelets. Pas bon. Bonjour, comment ça va? Allô, je vais te prendre un moyen café 2-2, s'il te plaît. C'est compris? Oui. Il est 85 fois 2 d'être à la De rien. De rien. Merci. It's a star. It's a star. Donc, je suis de retour devant mon ordinateur. Et j'ai perdu un peu la motivation. J'avais 2 vidéos à filmer, là, à part du vlog. Là. J'avais comme 2 autres idées de vidéos. Mais là, on dirait que il est rendu 5 heures. Je sais pas. Dans ma tête, quand il est rendu, genre, l'heure du souper, c'est comme la journée est finie. C'est juste parce qu'il commence à faire noir dehors. Je voulais filmer dans le fond, je vais vous le dire. Ben, ma routine de maquillage, mais ça, je vais le faire demain matin à la place. Parce que je me dis tant qu'à genre filmer tout là, à cette heure-là pour me, genre, me maquiller, je vais le faire demain matin quand il va y avoir plus d'éclairage dehors. Puis, sinon, je vais filmer un vidéo de mes outfits, genre, casual, là, que mettons... dans la vie de tous les jours, là, exemple. Fait que je voulais filmer ça. Mais ça, je pourrais le faire, par exemple. Ah, j'ai fait 2 autres choses sur ma liste que je peux cocher. J'ai fait mes commandes de choux. Puis, j'ai envoyé des courriels que je devais envoyer. Donc, ça, c'est fait. Et ça, c'est fait. Hello, hello! Petit update. Il est rendu 8h30, presque. Puis je faisais pas grand chose, honnêtement. J'étais à l'ordi dans mon lit. Pire affaire pour comme être encore plus veg. Fait que. Puis là, Lisa, elle m'a appelée parce qu'elle vient de finir de travailler. Fait que. On a décidé qu'on allait aller au Starbucks. Genre, c'est rendu une tradition pour vrai. Je pense que ça fait 3 soirs en ligne qu'on y va. Je vais partir, puis je vais aller la rejoindre chez elle. Fait que
See ya. Donc, on est au Starbucks, puis on est vraiment... Ouais, on est à la même place pendant la fois que vous avez parlé. C'est vrai. Même place, mais on était... Ah oh, non, on était... On avait tout avant. Ouais, on avait collé les tables, mais là, on est vraiment coincés. Parce qu'il n'y a plus de table, c'est vraiment la même. Et on est genre quasiment dans le four. Puis là, je goûte à le latte cascara. Excusez, fallait geler sur le panneau. Puis je sais pas si je vais aimer ça. Mais elle m'a dit que si j'aimais pas ça, la politique, c'est que tu la vas avoir au concours. Puis tu dis que t'aimes pas ça, puis elle te fait une autre affaire. C'est vraiment nice, je savais pas. Fait que j'ai goûté. Oh! Non, ça non, mais c'est bon. Mais je pensais que ça aurait un goût plus intense. Ça vaut le café ou... Ouais, ça vaut le café. Mais c'est le café. Non, c'est la cerise, la graine de café. La cascara. La cascara, c'est genre la... C'est comme le noyau, genre, de la graine de café. Mais goûte! Pour vrai, c'est bon. C'est chaud, là, mais... J'ai juste goûté à la mousse, mais j'ai un peu goûté le café, mais c'est bon. Fait que toi, que c'était pris le traditionnel latte matcha. Pris matcha. Avec lait de soya. Ah oui, ça goûte le café. Mais comme elle a goûté ça, c'est bon. Ça doit être vraiment café, ça doit être quelque chose. Ah, mais non, ça goûte le latte. C'est ça. C'est bon. Je suis bien contente. On n'a pas qu'une place solidaire, mais ça n'a pas l'air que le monde veut s'en aller parce que tout le monde est bien stagé. La crème table. On se pote la crème. Ok, bye. Donc, je suis revenue chez moi. Il est rendu genre 11h, je pense. Puis là, je voulais juste terminer le vlog ici, puis parce que j'oublie tout le temps de faire une conclusion dans mes vlogs. Donc, je vous dis bonne nuit, puis Lisa vous dit bye aussi parce qu'elle vous a pas dit bye. Ben, dis-leur bye, fait que je vous dis bye de la part de Lisa. Et on va se revoir dans un prochain vidéo. Bye! What you gonna do with that dessert? Do what, 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 do what